Non mais là c'est la bonne. Regarde, c'est la bonne. Regarde, ça celle-là c'est la bonne. Je les colle, c'est la bonne. Voilà, nickel. Il s'est pris tout le combo. Alors? Mais non mais connard. Il suffit. La foudre. Je me barre. Je me barre. Je me barre. Non. Je me barre. Je me barre. Faut pas se battre, faut pas se battre, faut pas se battre. Ça sert à rien. Je suis bloqué. Je suis bloqué, putain, mais arrête de me bloquer tout le temps. Je vais te taper, je vais te taper, je vais te taper, je vais te taper, je vais te taper. Allez hop, le sang. Le sang de la veine. La tornade. Le blizzard ardent. Fils de chèvre. J'arrive pas à le toucher. La foudre. La foudre. Non. Mais oui. Après j'ai pas la responsabilité de 30 vies 30 vies sur moi pendant le live, donc ça va. Pas le même effet quoi. Un Norbert. Un mon petit Nono. Ok, Nono est pas content. Ok. Rester à cette distance. Oh fuck. Non. Alors il y a peut-être moyen si j'arrive à me heal là. On est pas trop mal. Ok.
Non, mais t'es sérieux, sale Norbert de merde. On est pas mal là. Chacun se... Comment dire? Se lance le défi qu'il dit. Adapté à sa situation. En étant plus ou moins fou. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est possible. Après, faut de la déterre, c'est sûr. Le speedrun. J'ai bien quand même fait la petite run speedrun. Je sais pas si c'est très opti pour la phase 2, mais... Oh bah elle a fait la run speedrun. Mais je sais pas si ça passe en vrai. Ah bah si. Oh bordel. Non. Ok. On n'est pas trop dégueu là. Cette potion. Oh là là. Non. Non. Les lunes. Tout esquivé. Dans du feu. Oh là là. Oh bordel. Mireille. Bernadette. On va faire ça quoi. Pas non plus hardcore mais. Esmeralda. Quand il fait ça, j'aime bien, c'est gratuit.
va vachement loin. Phase 2. Non. Je vais crever. Phase 2. Je vous laisse la cinématique parce qu'elle est sympa. Par contre, je vous la laisse une fois. Hein. Je vous laisse une fois les copains. Donc si vous voulez la regarder, c'est maintenant. Si vous la connaissez pas. I will not suffer. A lord devoid of light. Je sais pas s'il y a vraiment une diff quand on utilise la brume de givre, mais... significative. Il est faible contre hémorragie et congélation. Bah, c'est ce que j'utilise. Mais ne me backsitez pas, ne me spoilez pas, je suis meilleur que vous au jeu, alors arrêtez. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas vu de net dégâts, vraiment la diff de dégâts avec la lame de glace, mais je me doute qu'il est sensible à la glace. Kakashi prend mon Sharingan. Je casse mon œil de verre. Et je deviens le démon. Mais je suis vraiment deck d'avoir tué Romina off-live. Mais elle était trop simple. Je vous jure, elle était trop simple. J'ai fait 8 rails. Je l'ai tué en 8 rails, même pas. Sur un malentendu, j'ai même pas vu sa vie descendre. J'étais en mode, elle est morte. Wilt thou be taken in the jaws? Maintenant, le serpent, il est blanc et il a genre un autre serpent au fond de son œil. C'est un délire. En fait, son œil, c'est des abysses avec un serpent dedans. Je connais pas cette phase, Au secours, au secours, aide. Oh putain, c'est ça. Beaucoup de feu cette histoire, hein. Ah, d'accord, mon petit. Je ne connais pas. First Try P2. Est-ce souvenir de l'empaleur. Petite île. Le tournesol là vraiment on va l'avoir. Il faut juste qu'on arrive à gérer l'attaque bizarre là de le faut qu'on gère le tourbilol. Faut gérer le tourbilol. Bon, celle-là on a. Oh non, sérieux. Thank you.
Yatta! Ok. Putain, mais. Bon. Oh non, j'ai cru que c'était le. J'ai cru que c'était l'attaque des projectiles en bas. En. Ok, phase 1, c'est fini. Au revoir, monsieur. Il y a moyen de lui mettre un petit coup, je pense, quand il sort de sa phase là. En jouant build accès bouclier, j'ai plus d'essais sur ce boss que sur Mesmer. Ah ouais? J'avoue que bouclier, j'utilise pas, je devrais. Ah, j'utilise sur. J'ai utilisé sur. Sur Madame. Sur Madame. Mais. Moi, je pense que ça va passer. Hein. Bon, là, je pense qu'il est. Il est à notre merci là. Aïe, oh non, petit con. Menteur, tricheur. Aïe, aïe, aïe. Pas trop abusé quand même. Quand il fait ça, genre quand il fait qu'un seul dash, ça me fait bizarre. Ok, donc là le bordel, 1 2, et là il va faire le coup de poing dans le sol, on s'en rappelle. Ok, ta gueule, merde. Oh non. Ah, j'ai oublié. My bad. Non. Je suis un enfoiré. Ok. Alors, le problème là, c'est que j'ai plus du tout de mana. Mais on met phase 3. Salut Gengis, comment vas-tu? Bon samedi mon petit Gengis, mon grand. Je sais pas. Boum! Ah. Ah d'accord, ok. Ouais! J'ai raté. Formidable. Ah, j'oublie qu'il fait ça en phase 2 et 3, putain. Fuck. Et il recommence. Oulala. Facile. C'est quoi? Encore? Putain, mais il est chiant. Oh là là. Ben voilà.
vais la voir. Je vais la voir, je vous le dis. Petit enchaînement là. Petit enchaînement dans la tronche. Petit enchaînement cadeau là. Oh là là, cette P2, elle arrive bien trop vite, mais le cheval. Merci. Le poney est appelé à l'accueil. Ok, ça on connaît. Ok. Essayer de la jouer le plus safe possible. D'accord. Je demande le remboursement intégral. La charge, ouais. Là il fait rien pour que je le frappe. Hein. Là il est en mode... pas de manière safe en tout cas. Ok. Bon petit enchaînement là. Merci Blurry. Merci beaucoup pour les soins. Ce qui s'attripant de marcassin drait d'impuissance drait d'enfant. What? Je suis gouré de boutons. J'y crois pas. Charge. Au secours.
Comprenez ? One hours later. Chevaucheur de sanglier. J'en peux plus. J'en peux plus. Au secours. Au secours. Au secours. Mes hommages. Tal. Donc on y va. Un scolopendre dégueulasse. Ah non, c'est un monsieur scolo... Une dame ? Romina Sainte du Bourgeon. La Sainte du Bourgeon. Bordel. Ok, elle met des bourgeonnes, des bourgeonneries. Elle fait de la bourgeonnade apparemment. Les dégâts sont relativement corrects. Elle a une patte, mille pattes, une patte scorpion. C'est assez original comme boss. Aïe. Rose. J'avais jamais vu ça, c'est une belle créature, honnêtement. Un peu dégueulasse, mais. Alors, je sais pas s'il faut le faire tout de suite, ce boss-là. Je n'ai aucune idée. Parce que là, on est campé en plus. Ok, elle a pris la congélation, je crois. Oh là là, c'est quoi ce bordel? D'accord. Il est un petit peu girly ce boss. Oula, c'est quoi ça? Ouh, ça explose. Ok.
J'étais l'élu, c'était moi. J'étais l'élu, c'était moi. Mais en vrai, là, je le tiens, là. Pourquoi, je sais pas par quelle magie les flammes bleues, je les ai gérées sur ce coup. Même trop bien, c'était incroyable. J'ai pas fait exprès, hein. C'était du pur réflexe humain. Ou je ne sais pas, d'ailleurs. Ne pas se précipiter. Très important. Dans ce genre de jeu vidéo. Leçon numéro 1. Être patient. Beyblade. Poney. Beyblade. Poney again. Beyblade. Deux coups dans ta gueule. One, two. Sa grand-mère. Un, deux. Et moi aussi. Un, deux. Allez hop, on danse. On danse, mon coco. Un, deux. Non! Tricha. Oh non. Ok, là, l'attaque sautée. Hop là. One, two. One, two. Le boomerang, attaque sautée du coup. Oh merde. Les flammes de l'enfer. Je comprends pas cette attaque. What the hell? On a esquivé. Presque. Beyblade. Beyblade. Reconcentration. Refocalisation. Cheval numéro 2. Beyblade. One, two. One, two. One, two. Ok. J'aurais pu taper, je suis une merde. One, two. One, two. J'ai paniqué. Beyblade. Poney. Beyblade. Ah. Poney. Beyblade. One, two. One, two. Faut pas être trop loin de lui, voilà. Sinon il fait de la merde là. Putain. Comprends rien. Comprends rien. Ah putain de saltimbanque de con de. One, two. Non. Beyblade. Non, putain, pas ça, pas ça, Maurice! Non. One, two.
attaque sautée, mec. Non, ok. Putain. La légende. C'est vraiment, vraiment une horreur. Je fais que ça depuis vendredi. Bah, profite. Et donc là, le petit dragonnet. Bonjour, le petit dragonnet du jour. Enfin, du jour. Pour commencer, nous allons nous occuper. Aïe, oh, ah, oh, ah, merde. Alors, c'est pas ça ma strat. C'est pas ça la strat à la base. Voilà. Fuis, mon petit. Donc. Ma strat, c'est on va courir comme ça, voilà. Voilà. Là, on recourt, on met un petit coup en passant. Voilà, super. On va faire ça. Je sais pas ce que ça va donner. On va voir. Lui, c'est le petit dragon du début. Parce que tu pourrais invoquer le PNJ au moins sur un try. Ses voice lines sont cool. Bah, je connais pas encore le boss. Je sais juste comment il s'appelle. Donc. Mais non. Je regarderai au pire sur YouTube. Parce que comme tu es censé le savoir, je n'invoque pas. Mais oui, j'ai cru comprendre que les voice lines étaient cool. En fait, j'ai rencontré le PNJ et le PNJ, t'as envie de l'invoquer parce qu'il te demande de l'invoquer en fait. Il te dit invoque-moi s'il te plaît pour affronter le dragon et tout. Donc j'étais en mode, ah bah ouais, j'ai... Bah, ça donne plus envie qu'à l'accoutumer, j'ai envie de dire. Mais je ne l'invoquerai pas, non. Pour des raisons évidentes. Alors, ça a l'air assez safe pour l'instant. Après, est-ce qu'il a une P2, ce dragon
J'active son effet spécial. Allez, presque mort, presque mort. Allez, deux petits coups là, deux petits allers-retours. Deux petits allers-retours de plus, là on y croit. Allez, encore deux je pense. En vrai, un ou deux. Un ou deux, on a envie d'y croire. Un ou deux, on a envie d'y croire. Ben voilà! First try. Alors les ennemis à poney, ça peut être bien de les faire marcher comme ça. Oh là là. Oh là là, ça je déteste alors. Ce coup à la con. Il passe en P2. Je pensais que j'aurais le temps de mettre un crit. Parce que je l'ai quand même vachement enchaîné. De faire la roulade en sortant du sol, mais ah, mais en fait il souffle un peu sur la droite. Oh non, j'ai pris un coup de genou là. Je refuse. Touché. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Et franchement, Bale le dragon, soi-disant l'un des boss les plus durs d'Elden Cringe, s'en est bien sorti, je trouve. Merci pour les gilets, c'est très gentil. La légende est tombée. En vrai, il est vraiment stylé. Il est vraiment stylé, le cadre et tout, l'attaque. Et on l'a tué en plus dans les règles de l'art avec la... avec la lame anti-draconique. Sans invoque. En une dizaine de try. Don't you dare approach Mikula the Kind. Needle Knight's letter, Dryleaf Dane, and our allies will never allow this. I am the Red Maid Freya. The time has come. We can look for a worthy foe. This is our moment.
is a compatriot, he is still performing.